Donc, Aslem à tout le monde. Ahmed Bikom, séance CD Amrana, on se présente. Ahna, les membres de l'Association tunisienne des jeunes internistes. Tout d'abord, Mabrouk à tous les lauréats pour merci à l'intérêt de médecine interne. Je remercie Docteur Kushida, sans elle, ce webinaire n'aurait pas été possible. Je remercie tous les seniors, ils ont bien voulu nous joindre, bien sûr, à tout moment, ils nous font profiter de leur expérience. Ça sera très bien. Donc, séance CV, je tape de la présentation. La séance, je suis pas présentée, Naoui Mhlili. Je tape comme petite présentation à la spécialité, à la. Peut-être les questions, je serai en fin de la séance. Donc, il y a une question, il y a le signe t'as levé de la main, ou on va dire qu'à part priorité, j'ai au bout à la, normalement toutes les questions. Voilà, donc à toi, Adim, et bonne séance. Merci, merci, M. Je suis Rima Bida, je suis résidente de quatrième année médecine interne, où je suis membre de l'Association tunisienne des jeunes internistes. Donc, d'abord, Mabrouk, bravo les champions, Donc, vous allez faire le choix de votre spécialité. Ce n'est pas évident, je sais. Sauf pour ceux qui déjà m'entaillent, que je m'enchaîne depuis le début. Pour les autres, on est là pour vous aider. Donc, la médecine interne. Et pour les choix, quel que soit le choix, et je crois personnellement, la théorie liée à la carrière, pour qu'une carrière soit réussie, elle doit reposer sur les quatre piliers. Ma passion, mission, vocation et profession. Si vous faites quelque chose que vous aimez, que vous arriverez à maîtriser un jour, et il y a une valeur ajoutée pour le monde et pour les patients et pour la population, et en même temps, il y a un revenu qui est assez satisfaisant, et bon, pour le satisfaisant, c'est toujours relatif en fonction des personnes. Donc, Lyon a cherché comme une médecine interne. En gros, ce n'est pas la médecine interne, et d'où est née la nomination médecine interne. Je suis à le cursus de notre résidana, la formation, l'association tunisienne des jeunes internistes et les perspectives de la spécialité. Donc, qu'est-ce que la médecine interne? Si on voit dans les définitions, en fait, celui Wikipédia, que la médecine interne, c'est la spécialité qui s'intéresse au diagnostic ou la prise en charge globale des patients, en l'occurrence les maladies systémiques et les maladies auto-immunes. Puis allô, docteur, ils disent que le médecin interniste, c'est le médecin de dernier recours, celui que l'on va voir quand ses confrères n'ont pas réussi à établir un diagnostic, ou les médecins qui se voient confier aussi les malades souffrant de plusieurs pathologies à la fois, comme c'est le cas par exemple des patients âgés. Et un petit mot d'histoire, en fait, d'où est né le nom médecine interne. Qui fait chuter. En gros, dans l'histoire, il y avait deux grandes spécialités, la chirurgie et la médecine. Et après, avec les avancées thérapeutiques ou l'évolution scientifique, un seul médecin ne pouvait pas assurer toutes les spécialités ou toutes les. Il ne pouvait pas maîtriser toutes les avancées de tous les organes. Et donc, d'où est née la spécialité d'organes, donc, on y retrouve les spécialistes d'organes, les cardiologues, les endocrinologues, etc. Et d'où les pathologies, les patients qui souffrent de pathologies multiviscérales ou systémiques, comme les connectivites ou les vascularites, etc., ou les patients qui présentent plusieurs pathologies à la fois, ou qu'on ne pouvait pas hospitaliser ou l'adresser à un spécialiste d'organes particulier. Et donc, d'où est née la médecine interne et le concept et le nom de médecine interne. Donc, paradoxalement, en fait, c'est la mère de spécialité, mais c'est la spécialité la plus jeune. En pratique,
l'interniste, la meilleure description de l'interniste, je l'ai trouvée dans le site de la Société nationale française de médecine interne. Donc, l'interniste, il s'occupe de la prise en charge globale d'un grand nombre de maladies systémiques, auto-immunes, il y a aussi la gestion des grands syndromes, comme par exemple les fièvres prolongées, les hypercalcémies. C'est l'établissement des plans diagnostiques ou thérapeutiques de ces pathologies. Aussi, il assure la prise en charge à l'âge adulte des affections qui commencent, multiviscérales, qui commencent chez l'enfant. Et également dans la vraie vie, en fait, l'interniste, il aide à la prise en charge hospitalière des sujets qui présentent des sujets âgés et assure le relais post-urgence des urgences non focalisées. Et également en fonction des hôpitaux, des urgences focalisées. Dans la vraie vie, si par exemple à l'hôpital, il n'y a pas d'endocrinologie ou il n'y a pas de maladie infectieuse ou autre, donc c'est l'interniste qui va assurer le relais des urgences. Et c'est ce qui se passe dans la vraie vie en Tunisie et en France. Dans le monde, en fait, le nom médecine interne, la spécialité médecine interne, le concept est un peu différent. Le meilleur schéma que j'ai trouvé, c'est l'American College of Physicians. Donc, c'est un concept qui a été inspiré des Allemands ou qui est aussi adopté par les Anglo-Saxons et les Américains. Donc, la médecine interne, en fait, c'est un tronc commun de 3 ans. Et après, le résident, il a le choix soit de s'approfondir plus dans la spécialité, et là, il va faire la fellowship, il va se spécialiser dans les cardio, endocrino, gastro, rhumato, etc. Soit il va garder cette globalité, cette polyvalence en restant interniste et en ayant aussi d'autres compétences, comme par exemple la gériatrie, la médecine de sport, la médecine de sommeil, etc. Donc, le schéma adopté par la plupart des pays du monde, également dans les pays du Golfe aussi. Et donc, vous comprenez, notamment les maladies systémiques, les connectivites ou vascularites, ne sont pas pris en charge, le système aidé, ne sont pas pris en charge par les internistes mental general, mais c'est surtout les connectivites, c'est surtout les rhumatologues et aussi les néphrologues pour les vascularites, par exemple. Et pour les grands syndromes ou le relais post-urgence, ou quoi, il n'y a pas d'où chez les internistes mentaux, les general internists. Mais, donc, c'est dans le monde. En gros, c'est la médecine interne. Pour le cursus de résidana à Nahna, en Tunisie, le dernier texte de loi il remonte à 2011. Donc, la médecine interne, c'est une spécialité de 4 ans. La médecine interne, c'est une spécialité de 4 ans, où là, il y a 4 semestres de médecine interne, donc 2 ans de médecine interne, et 4 semestres optionnels, dont un stage de réanimation médicale. Et 3 optionnels, rien entre dermato, immuno, cardio, infectieux, nutrition, endocrino, neuro, hémato et néphro. Mais le papier officiel, le dernier papier officiel. Dans la vraie vie, c'est pas ce schéma qu'on adopte. En fait, pour le moment, on fait 6 semestres de médecine interne et 2 semestres optionnels. Il n'y a plus la réanimation médicale et comme optionnel obligatoire, mais il y a 2 semestres, fait les autres spécialités optionnelles dont on aide à la réanimation médicale, sachant que nutrition, elle est à rhumato. Actuellement, c'est ce qu'on fait ou c'est ce qu'on adopte. Et pour les projets du cursus de médecine interne, on parle d'une spécialité de 5 ans. Mais personnellement, je dis le résident. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que c'est un projet qui est toujours d'actualité ou pas? On ne sait pas. Mais les spécialités médicales collent à un certain moment, puis voilà, c'est des spécialités de 5 ans. Mais jusque-là, on n'a pas beaucoup d'idées sur ce sujet-là. Comment on fait en fait pour les stages? En général, on fait un choix de stage avant chaque semestre. Pour le choix de stage, je vais juste vous expliquer, vous allez comprendre. Pour le choix de stage, on nous envoie une fiche de pré-choix. On a les spécialités du choix, premier choix, deuxième choix, pour le terrain de stage suivant. Et après, les terrains de stage, je le jour de choix. Donc, par exemple, c'est les terrains de stage le premier semestre 2020. Comme vous voyez, pour les terrains de stage de médecine interne, on a plusieurs terrains de stage. Forme 2 services de médecine interne à l'hôpital Charles-Nicolle, il y a Fela, Tahlif, le militaire, Montgisli, Mrazi, Hedishé, Kelfisfer, Sfamassou, Saoussahlou, Mestir, FSI, Hôpital militaire de Bizerte, Hôpital militaire de Gebs, Mende, Anebel et Benarous.
Et donc, pour la première fois cette année, on a utilisé le système de quotas pour la première année. Donc, c'est le nombre de postes pour le semestre à l'IFET. Juste là, le quota de la première année, un poste pour première année, c'était un accord commun entre résidents et les présidents du collège. Et voilà. Mais en général, c'est un nombre fixe de résidents, le nombre de résidents dans chaque service. Pour les stages optionnels, stage optionnel pose toujours problème. Jusque-là, c'est toujours une surprise. On ne sait pas à quelle liste de choix de stage optionnel on va avoir. C'est le dernier, la dernière liste qu'on a eue le dernier semestre. Comme vous voyez, il y a la réanimation, les quatre passes de dermato, endocrino, immuno-infectieux, bah, neuro ou rhumato, où il n'y a pas assez de postes. Ce qui est problématique, toujours dans les postes d'optionnel, c'est on ne peut pas avoir plusieurs postes optionnels, ça risque d'empiéter sur le nombre les terrains de stage obligatoires. C'est toujours problématique pour les résidents, donc les postes optionnels, vu on doit faire deux stages optionnels, mais on finit toujours par trouver une solution. Et donc, les stages internes, la formation théorique, comme je vous l'ai dit, on a un collège de médecine interne. En fait, c'est un collège commun entre médecine interne et réanimation médicale. C'est un truc historique, ça remonte à plusieurs années. Avant, apparemment, on avait les mêmes objectifs, les internistes et les réanimateurs. Mais là, c'est deux collèges différents, totalement indépendants, dans la même structure. Nous avons une liste de journées de collège. Nous avons le luxe d'avoir plusieurs journées de collège pendant l'année. On a plusieurs terrains de stage dans plusieurs équipes d'internistes. Et comme vous voyez, généralement, c'est une journée de collège par mois. Généralement, c'est le dernier vendredi de chaque mois, les sujets traités pendant les journées de collège. C'est pas que les maladies systémiques, c'est les risques cardiovasculaires, c'est les grands syndromes, c'est les maladies veineuses thrombembolique, etc. Donc c'est des journées assez variées où c'est toujours intéressant d'avoir en plus des cours et donc les journées de collège. Mais en plus des journées de collège, on a la Société tunisienne de médecine interne. Comme toute spécialité, nous avons notre société savante liée à la STMI, qui nous offre un cadre exceptionnel de partage et d'apprentissage et nous inclut dans le choix à des ateliers ou à des thèmes des journées ou des congrès. Donc, on a l'impression que c'est une grande famille. Et l'une des raisons, on se sent comme une grande famille, c'est qu'on se voit tous les mois lors des réunions de société. On a une réunion tous les premiers mercredis de chaque mois. Puis, colle réunion, il y a un service qui anime la séance. On présente des cas difficiles sur le plan diagnostique ou thérapeutique. On présente des recommandations sur une pathologie ou un thème particulier. Aussi, nous avons le congrès national, un congrès maghrébin annuel et un congrès franco-maghrébin. Par exemple, l'année où il y avait le congrès franco-maghrébin et le congrès national de médecine interne à Tunis. C'est un excellent lieu de partage. On profite des congrès pour discuter avec les résidents, avec des résidents des autres pays ou avec les seniors. On s'échange des expériences et des histoires. Et pas que, fait les congrès. C'est un lieu de rencontre entre tous les résidents du pays. Et cette année, vu le 30e anniversaire de la STMI, la STMI s'est lancée dans l'aventure méditerranéenne, donc le premier congrès méditerranéen. C'était censé être le 12 ou 13 juin 2020, mais vu les circonstances actuelles, il était prudent de décaler. Que vous faites médecine interne ou pas, ce serait cool de vous avoir parmi nous. Et aussi, la STMI organise des journées de formation qui m'aidaient, la journée d'hiver, par exemple, de médecine interne, qui était en janvier 2020. Et aussi, c'est un lieu de partage ou d'apprentissage et de discussion. En plus des formations au coaching, l'avantage, de l'interniste, c'est
d'avoir l'approche globale tout en ayant la liberté d'avoir un thème, un penchant particulier pour une spécialité ou pour un thème particulier. Et donc, quand il a ce penchant, ça fait éveiller sa motivation et sa curiosité scientifique et il va s'approfondir plus dans la recherche et la rédaction scientifique. Un interniste, il peut avoir un penchant, par exemple, dans la néphro, dans la rhumato, dans les maladies infectieuses, ou même on a des internistes. C'est des internistes qui sont des experts en maladies veineuses thromboemboliques. Donc, c'est un avantage de l'interniste. Avoir l'approche globale, en même temps, il a les libertés d'avoir un penchant particulier pour un thème ou une spécialité particulière. Donc, il a les deux spectres d'action, deux spectres de vue, la globalité et le précis. Et donc, c'est un avantage que la médecine interne nous apprend. B. Je ne peux pas ne pas parler de l'association tunisienne des jeunes internistes. Donc, c'est une association qui a été fondée en 2015. Nous sommes le troisième bureau fondateur, le troisième bureau de la société, de l'association. Donc, le but, c'est le lieu de partage de connaissances et le lieu de formation d'aider des résidents. Et nous avons organisé plusieurs ateliers cette année, par exemple, les doumes, les tubulopathies, les uvéites, la neuroimagerie. Comme vous voyez, les spectres sont larges et on essaie de répondre aux demandes des résidents et dans des thèmes bien particuliers. Aussi, la TJI, elle est membre des jeunes internistes européens avec qui il y a plusieurs projets qui sont en cours. Pour des projets d'échange d'expérience, pour des projets de recherche scientifique, de rédaction scientifique, et pourquoi pas aussi des projets d'échange d'expérience sur le terrain. Donc c'est un nouveau monde qui s'est ouvert en rejoignant les nouveaux internistes européens, et on va voir où ça va nous mener. Parmi nos projets, et notre projet bébé de la TGI Tawahébé, notre petit trésor, c'est les livrets d'éducation thérapeutique. Les Razin Nertman Alihum, cette année, on veut faire des livrets pour les patients d'Inab, les lupus ou les maladies de B7. C'est un livret qui est destiné aux patients et destiné aussi à la famille et à la population générale pour un peu vulgariser la pathologie et la faire la rapprocher des patients. Donc, c'est notre projet bébé. Mais pour les perspectives, je sais que ce qui pose problème en général pour la médecine interne, en tout cas qui est calmouni, c'est toujours les perspectives de cette spécialité. Et comme toute spécialité, il y a trois grandes lignes. On est soit à la carrière hospitalo-universitaire, soit le privé, soit le travail à l'étranger. Mais pour la carrière hospitalo-universitaire, la médecine interne est une spécialité de recherche et de concertation par excellence. C'est la spécialité où on fait le plus de discussions en diagnostic, le plus de discussions thérapeutiques, où on peut rejoindre plusieurs, aussi des projets de recherche ou des laboratoires de recherche. Donc, il n'y a pas mieux que l'hôpital universitaire pour faire ça. Il y a aussi l'apprentissage et la formation des jeunes, pour les gens qui sont passionnés par la formation, par la pédagogie. L'avantage de la médecine interne, le fait qu'il y ait plusieurs terrains de stage, donc plusieurs services de médecine interne. Donc, en général, 10 femmes à des postes d'assistant, 10 femmes qui paradis au colchal et la fin de spécialité, si tu décides de rejoindre une équipe hospitalière universitaire, normalement, les gens qui essayent, y a le cas où, des postes à leur demande. Et rejoindre la carrière, mais que l'hôpital universitaire ne sera que le début d'une belle carrière, Inch'Allah. Et pour le privé, donc là, une médecine interne, c'est le privé qui pose le plus de problèmes. Ils ont reçu l'idée que la médecine interne, alors que c'est pas vrai en fait. La spécialité ou halo direct privé, le colombe yichdou. En même temps, je ne vais pas exagérer. Moi, je suis par exemple un pédiatre, le bichihel, le narchouine,
plusieurs parties manières de mon coaching. Les internistes, c'est un peu différent, mais en même temps, on a les internistes de libre pratique et ils travaillent mentalement, normalement. Évidemment, les maladies systémiques sont des maladies rares. On sur le lot de le fait qu'on soit dans des hôpitaux de troisième ligne, donc ici on a actuellement un bâche, enfin des maladies systémiques, mais dans le privé, moi je suis que des maladies systémiques. On va traiter la polypathologie, les risques cardiovasculaires, la gériatrie aussi. Les internistes sont des excellents gériatres et la plupart des résidents font la formation en gériatrie, donc et la gériatrie, entre guillemets, est un peu privée, ça va, à mon avis. Et quoi d'autre et avec les internistes en général, monsieur, un interniste, je crois que c'est le bouche à oreille, ou là, c'est un confrère qui recommande un interniste en privé. Et là, c'est la clinique, ou t'as de plus en plus, c'est les cliniques qui engage, entre guillemets, un interniste. C'est toujours bien d'avoir un interniste dans son équipe. Mais on est grâce à sa polyvalence au coach, il peut s'adapter à plusieurs situations. Les situations d'urgence, on les a vues, les situations de diagnostic ou les situations d'échec thérapeutique. Donc, le fil clinique, il aime bien engager toujours un interniste pour l'étranger. En fait, pour l'étranger, si tu as ton diplôme de spécialité, tu n'auras pas de problème si tu veux travailler en France, en Belgique ou en Suisse. Pour les autres pays, il y a aussi c'est toujours ouvert. C'est demandé pas que la médecine interne, évidemment, mais la médecine interne, c'est pas overbooked comme spécialité. Donc, tu auras toujours une place réservée pour toi là où tu veux y aller. Mais juste, il faut regarder en tête la définition médicale de médecine interne qui est mal à faire. Si tu vas en Allemagne ou en Angleterre ou aux États-Unis, être interniste, ce n'est pas être interniste dans la définition à toi, ta maladie systémique et grand syndrome. Être interniste, c'est les grands syndromes, c'est le relais post-urgence au col. Si tu veux te spécialiser encore plus, il faut voir le système de chaque pays qui fait. Mais l'internisme, dont diplôme de médecin interniste, va te faire va te permettre d'accéder à la base des spécialités médicales. Et après, tu peux aller là où tu veux. Donc voilà. En gros, la médecine interne, c'est l'approche globale, c'est les pathologies variées, c'est les compétences possibles, optionnelles ou les penchants, tout en gardant l'œil global et l'approche globale. On peut faire d'autres compétences ou d'autres penchants. Bon, il n'y a pas la composante interventionnelle. Nous dépendons souvent des autres spécialités pour avancer dans le diagnostic ou dans l'enquête étiologique. Mais ça reste toujours une spécialité de recherche avec un large spectre d'évolution. Donc à la fin, pourquoi pas la médecine interne. Et merci. Merci à toi, Jim, pour cette présentation. Inch'Allah, nous avons atteint comme fikra à la spécialité, à la chenoua. Les perspectives. Donc Tawika, je vais demander à Nchouf Liqad, beaucoup de seniors qui se sont joints à nous, qu'elles ont une remarque, ou elle a fahaja peut-être, on n'a pas fait attention, ils peuvent lever la main ou on leur passera la parole. Sinon, pour les autres participants, nous attendons vos questions. Sinon, Sonia, si vous avez des remarques. Limbourguiba, on la présente, c'est une résidente en médecine interne, elle est actuellement. Tiens, attends, Nadil, quel moment tu te présentes, Limbourguiba, j'imagine.
صح حبيتكم الناس الكل ومرحبا بكم الناس الكل جيسبر بيان كو نهار ان شاء الله جو سوي سور كو فوز ايتي بيرسيودي بار لا بريزونطاسيون دو ريما بيد جون دوت با بون جو في سوي ريزيدونت ان ماش ريزيدونت كملت دونك جي يو لا شانس ان فيت دافوار اون اكسبيريونس ا ليترانجي à Paris, dans un centre de référence. C'est une expérience vraiment qui était enrichissante. Mais dis-moi, ouais, effectivement, à Tahir, qu'il faut voir les côtés positifs ou les côtés négatifs de ta expérience. Bon, pour le côté positif, dis même des positifs, donc c'est vrai, tu as carrément le cadre, ils ont beaucoup les moyens, ils ont accès les explorations, tout est accessible, le bilan de c'est normal, c'est l'Europe, c'est normal, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez l'accès, les diplômes, les formations, les DU, il y en a plein. C'est très large, c'est très polyvalent. C'est un grand domaine, il y a une qualité que tu accèdes à la recherche contrairement à des autres spécialités. Je suis un spécialiste, le centre de référence, il est plus centre de référence que vasculariste, donc un petit colha de chemin des affinités MTA. Bon, en gros, comment ça se passe? Bon, le point négatif, il y en a vraiment, on a dit 3 ans de spécialité, dans des services de médecine interne, il n'y avait presque que la médecine interne, il faut dire. 90% médecine interne, 10% pathologie, disons, générale, mais c'était que du recrutement systémique. Mais j'étais choquée à la خاطر باش تداوي البينا وباش تداوي لي ريزبيل وباش تداوي لي اس دي اف لي توكسيكو وباش تحل مشاكل السوسيال وباش تشوف راجل عزيز عمره 90 سنه ما تيان ديفسيل ا دوميسيل ما تحلو مشكله تجم تخليه يروح احنا ذي كل بولي سوسيال معناش بيه heureusement خاطر من العائله في فرنسا il faut gérer tout ça donc il faut pas attendre حتى وكانك انت dans un grand centre انك باش تخدم سيستيميك H24 7 jours sur 7 non c'est pas vrai لازمك تخدم بوست اورجونس وديجا عليك علاش مثلا احنا خدونا لي انترن توينسا معناتها ديجا سي ان بروبليم لي انترن توينسا الجزائريين والمغاربه اللي احنا يحطونا في سورتو ديبارتمون بوست اورجونس تخدم حاجه هذيك اونتر اوت معناتها باش تدور لهم السيرفي باش تقعدوا في الاورجونس هذاك هو معناتها سي اونتر اوت دونك لي كريتي ا بيي كي باش تمشي معناتها دون دي زوبيتو تخدم بوليفالون والميدسين جينيرال معناتها ماكش باش تخدم 100% سيستميك تحب تخدم معناتها حاجة ان سبيكتر معين في السيستيميك من عشرة مثلا لاسبيلاريت ولا لوبوس ولا كريو ولا حاجة لازم تقدر في لي كونسلتاسيون بون سا ديبون من لي شيف سيرفيس سما دي شيف سيرفيس اللي هما معناتها يعطيك معناتها ان كرينو نعرف شنو بار سيمستر ان موا تهدر معاهم في الكونسلتاسيون وتشوف معناتها شنو هما الاكسبيرينس معناتها تشوف معناتها هما كومون يفون ولا بريز اون شارج مي بون ديما بالنسبة لي تقعد سيت اون اكسبيرينس اون سونتر Pourquoi pas? Il m'a dit à la chance, pourquoi pas? Merci Lim, merci Aïchak. Donc, Tariq, j'ai un petit docteur Khamfir qui est du service PALM à l'hôpital Rabta, qui est notre professeur, donc à qui je donne la main. Bêche Tartine, si elle a une remarque, elle a haja. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Donc, je voulais féliciter à toute l'équipe de la TGI pour cette initiative. Et puis, je voulais féliciter aussi les lauréats pour Résidana et leur souhaiter une très belle carrière et espérer aller voir aussi parmi vous. Alors, vous avez fait une très belle présentation de ce que est la médecine interne. Je ne sais pas si Dr Abdallah est avec nous ou quelqu'un d'autre qui représente le collège de la médecine interne, parce que à ma connaissance, même le cursus est en train de changer. Lim, tu as raison, tu as présenté l'ancien cursus de médecine interne, mais je sais qu'on est en train d'œuvrer pour qu'il y ait beaucoup de changements. Je ne veux pas empiéter sur le travail des représentants des collèges.
peut-être qu'ils pourront intervenir dans ce sens. Voilà, je voulais juste vous féliciter et vous souhaiter une bonne continuation. Et bravo à tous ceux qui ont réussi. Merci. Merci à vous, Dr Khamfir. On a ensuite Marana, Dr Benahsin, qui je pense c'est notre professeur du service 10-4 Charnicole. Ça va, vous allez bien? Très bien, Aïcha. Intervenir. Mais après, la présentation, elle était tellement sympathique. Et vous, vous êtes tellement sympathique que je me suis dit, non, il faut qu'on intervienne. NSCA, pour moi, vraiment merci les filles. Voilà justement un bel échantillon de nos brillants résidents. En général, ils sont tous brillants, les résidents en médecine interne. Donc déjà, si vous faites médecine interne, vous allez être brillant. C'est que vous êtes brillant. Quand je plaisante, vous l'êtes de toute façon avec ou sans la médecine interne. Ah ben, j'ai envie de dire que c'est vraiment, je suis pas vraiment dans l'advocacy de la médecine interne. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment pas une spécialité qu'on choisit par calcul. Il faut vraiment qu'on aime ce genre de spécialité. C'est vraiment la médecine avec un grand M. On m'a toujours dit, si vous voulez, si tu veux réussir ta vie, il faut aimer ton boulot et il faut aimer ton conjoint. Je vous souhaite à tous d'avoir des conjoints que vous aimez, ça c'est clair. Après, pour le boulot, vous pourrez quand même avoir le choix de choisir ce que vous voulez. Et je pense que vraiment, pour la médecine interne, si vous êtes curieux, si vous êtes profond, si vous aimez être cultivé, si vous aimez la culture, au fond, c'est un terrain, c'est une prédisposition dans le fond. Si vraiment vous aimez aller jusqu'au bout des choses, si vous aimez aussi le contact avec les malades, ça aussi c'est très très important, alors il faut vraiment faire de la médecine interne. Vraiment, c'est une très très belle spécialité. Ça fait plus de 25 ans que j'ai choisi la médecine interne et je ne l'ai jamais regretté. Vraiment, je n'aurais pas pu faire autre chose. Après, pour le cursus, etc., ce sont des détails, c'est très évolutif en fait. En gros, quel que soit le cursus, c'est là où on va se retrouver à la fin. Quel que soit, à faire ce stage et pas l'autre, on se rattrape. Dans le fond, on se rattrape. Je ne pense pas que ça soit extrêmement important. Après, peut-être que Dr Abdallah parlera plus du cursus. Maintenant, Lynn, quand tu as mis les trois perspectives, moi, je pensais que tu allais mettre carrière universitaire, bien sûr, le privé, bien sûr, mais après, plutôt la santé publique, pas le départ à l'étranger. Ça m'attriste quand même de voir que partir à l'étranger pour la vie est une perspective. C'est pas ce qu'on voudrait quand même. Ceci étant, là où on peut partir à l'étranger pour des stages, pour se perfectionner, etc. Et retourner. L'exil n'est pas forcément une perspective. De toute façon, c'est une perspective pour toutes les spécialités, pas spécialement pour la médecine interne. Et c'est juste circonstanciel. Les circonstances sont comme ça en Tunisie. Mais je pense qu'on peut rester en Tunisie et faire de la très bonne médecine interne, aussi bien en hospitalier que dans le privé, et pour l'hospitalier, aussi bien dans l'universitaire que pas universitaire. On ne va pas tous faire de l'universitaire. Et de toute façon, là aussi, c'est une vocation. Il faut aimer ce que l'on fait de toute façon. Les ouvertures de postes, je confirme, c'est une spécialité d'une manière générale extrêmement défendue pour les ouvertures de postes. Justement parce que d'une manière générale, les facultés ont conscience que c'est l'une des spécialités qui vraiment est très utile à la fac. Justement en raison en grande partie de notre polyvalence. Nous recevons des externes pour la sémiologie, on reçoit les externes de première année pour l'initiation, on reçoit les cinquième années. Clairement, on a une grande place, on est très utile à la fac finalement. Et ça nous ouvre beaucoup de perspectives par rapport à l'universitaire. Donc déjà, je confirme par rapport à ça. C'était ça ce que j'avais envie de dire. J'avais surtout envie de vous féliciter et pour l'initiative. Et pour votre présentation. Mahlekou. Ritou, je te lis ou qu'un terme de médecine interne. Je te lis ou mahlekou, mezienine ou m'sakfine ou bacha bacha hajet. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Ou marahbe, blibchiam, le médecine interne, le coq. Oups.
Je n'entends rien en fait. Bon, Natalia, elle a un problème sur la connexion. Salut. Donc, bon, je suis avec Afkoun Mellil Bouchaki. Je suis avec Kelma ou Fama Taïsir ou Afé. Ou alors, on a déjà levé la main pour chacun qu'on fasse comme. Je vais baisser la main comme ça, je laisse la place aux autres. Allez, bonne soirée. Merci. Merci à la Houdour. Bon, il y a beaucoup plus d'internistes que de lauréats du concours de Résidana à Manusel. je pense que nous avons certaines médecines internes vu que femme a qu'une de ce moment. Bon, on a pas charbé de salon ni à la spécialité. On va chercher le racket Laurent. Mais t'as waqt ish tethal médecine interne, waqt ish najem nakhdou alouha. انا ان فيت من البرومو الثانيه نتاع الريفورم دونك عملنا نجحوا كان 360 alors que نتوما نجحوا فيكم 900 وانا كان كلاسمون تاعي 253 وخلط على الميتين انتر مخلوط معناها قبل اخر بلاصه اي heureusement معناها دونك انا اخترتها على خاطر pour l'aspect هذا global تاع la prise en charge des malades وكل ومن بعد كاع ce que j'ai découvert en fait c'est toute l'ambiance de la médecine interne déjà comme تشوفوا تاوي كنا احنا في رمضان في ان ويبينار وفما لي سينيور نتاعنا الكل حاضرين معانا العبد الكل تتابع فينا كيف كيف الخدمه كل نهار في تو لي سيرفيس راهي هكا ان سو سان ان كونفيونس يا بوكو دو سينيور في لي ستاج دونك هذه حاجه باهيه دوتر سبيسياليتي سون ديزيرتي تا وي كبار لي سينيور كلهم سوا يخرجوا بريفي سوا يخرجوا لبرا شوف صحابنا في الكارديو في الراديو في الانستيزي غيام يبان باش يلقاو شكون يعلمهم وشكون يحكي معاهم وشكون اللي يجيد وكل احنا عندنا سيت شانس وتقع ديما كيما قالت لي من سبيسياليتي تري ريش كي اوفر بوكو دو بيرسبكتيف دونك انا نشجعكم كان تحبوا كان تفكروا فيها وتحبوا تعملوها وكان مازال عندكم اي سؤال نجموا تسالونا حتى اور ويبينار كنا نجموا نجاوبكم سور لي ريزو سوسيو ولا حتى نعطيكم نوامرنا وكا مرحبا بكم وليلتكم زينه وتعرفش جو سيدي لا بارول alors معنا ميرسي بوكو سونيا notre trésorière de l'association des jeunes internistes. Je n'ai pas présenté Limar Bida, c'est notre présidente. Moi, je me présente, je suis la secrétaire générale. Ou Andy Tawika, docteur Abdelhidi qui a demandé la parole. Donc, Aslema, Sahash Liptek. Je pense que est-ce que la smart fine a docteur Abdelhid? Oui, je vous entends. Ah, si vous m'entendez. Oui. C'est bon, je suis entendu. T'es vu? Oui. Ouais, bien reçu, visuel ou audio. Ah, très bien, très bien. Alors voilà, j'ai voulu participer. Au webinaire parce que quand même c'est très intéressant pour que ce soit pour les résidents ou voilà, pour les jeunes qui veulent faire médecine interne. Au fait, j'ai voulu partager mon expérience parce que personnellement, j'avais pas choisi la médecine interne pour la spécialité au début. J'avais fait chirurgie générale et après j'ai basculé vers la médecine physique. Et par la suite, j'ai compris qu'il fallait faire médecine interne en expérience. Voilà, par la suite, j'ai fait mon cursus de résidana. J'étais assistant à l'hôpital Razi, donc c'était un peu particulier avec la psychiatrie, la neurologie. Et voilà, la médecine interne, c'est une spécialité qui est assez polyvalente, en Tunisie déjà. J'y ai pratiqué jusqu'en 2019, jusqu'à l'année dernière. Et maintenant, je suis à Riyad, en Arabie Saoudite. Et ici aussi, la médecine interne, elle est très appréciée pour son caractère polyvalent. Et en général, les médecins tunisiens internistes sont très bien vus par ici. Donc, je voulais juste encourager les jeunes pour faire médecine interne, que ce soit en Tunisie, en privé ou en public, ça marche très bien. Et voilà, je vais reprendre les paroles de Dr. Lamia Belhassine. Il ne faut pas faire de calcul, au fait. Il faut juste choisir avec le cœur. Merci beaucoup. Je finis, bien sûr, par remercier la TGI pour cette initiative très intéressante.
Et j'espère vous voir bientôt dans d'autres webinaires. Merci beaucoup. Donc, c'était ici la vice-présidente Bush qui a demandé la parole. Taïsi Raslem. Donc, la médecine interne a beaucoup d'avantages. Donc, déjà, nous avons parlé des coûts. Entre autres, donc, la gériatrie, c'est considéré comme une spécialité en médecine interne. Donc, c'est un autre avantage que je vois. Et en plus, donc, étant donné qu'on va voir des maladies systémiques, donc, on va voir presque tous les organes. Et donc, on n'a pas le droit de chirurgie. Donc, on va voir, comprendre du tout de la neurologie, la neurologie, on va voir la pneumologie, la dermatologie, la néphrologie. Donc, pour moi, c'est un point fort que un médecin va maîtriser plusieurs organes et en tant que, par exemple, de la plupart de son spécialité, on va voir la gastro, pneumo, dermato, alors que la médecine interne, c'est un tout. Et c'est un grand avantage. Donc, toujours il y a des nouveautés, toujours il y a des choses à lire, à découvrir. Une autre chose aussi, c'est que on voit le patient comme un tout. Donc, je vois que la vision d'un interniste n'est pas comme les autres, pour moi, parce que il y a la flair et lorsqu'on va venir en la consultation, c'est par un réflexe qu'on va voir tout le patient, tout, et donc on ne va pas passer à côté des autres, de plusieurs anomalies. Donc c'est un point fort aussi. Et ça reste aussi que spécialité, comme déjà c'est mentionné, il faut l'aimer, parce que c'est parable, donc il faut aimer la spécialité. Et tu sens que tu raisonnes. Il y a toujours de nouveautés. Tu dois raisonner. Et il y a le sentiment que tu vas découvrir la maladie, tu vas chercher, tu vas examiner le patient, tu vas lire. Et donc, il faut être passionné. Et après tout, lorsque tu découvres la pathologie, bon, pour moi, parce que j'ai raisonné. Et il y a toujours de la nouveauté. Donc, c'est là qu'on va chercher un petit interne. Merci, Taïsir. Merci beaucoup. Parmi eux, d'anciens internes. Il y a des spécialités. Je suis contente qu'ils portent encore un intérêt les spécialités. Tawika Ma'ana Wafé, Skouli, la vice-présidente, Ma'alterna, ou Bouchtar Tati Ma'ana Kelma. Wafé, salut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Primo Touhash Koumel Koli, nos chers maîtres, nos chers amis. Tawa Frahat Barsha qui chauffe Dr. Khanchir, Dr. Ben Hissine, en espérant que vous vous le col. Bientôt, Inch'Allah, touhachnikoum. Bon, de toute façon, marahba bikoum les nouveaux résidents et les njahtou, Inch'Allah, mabrouk, awel haja. Thani haja, on sera très content qu'il ta'amlou ma'ana médecine interne, khater, kima b'hkayt rim, wahkina l'kol. C'est une spécialité très, très, très riche. Bon, ena ou taïsir ou rim, qui m'a qalat, bourdiba, on a terminé notre cursus. Bon, t'as besoin de faire marahla okhra. On est très, quand on veut l'étaler, ou Inch'Allah, j'ai écrit. Pour les perspectives, on habite, on parle un peu des perspectives. Les palais de Tourim, presque, on a mis en ligne. Ou, quand on a le privé, surtout, quand on a le souci, on a l'agladia, il faut le privé, ou le privé, maintenant, il y a en deuxième ligne, troisième ligne, de bouche à oreille, ou col, mais un travail très, très bien. La gériatrie, personne ne peut nier que c'est la spécialité générale. En fait, c'est une sous-spécialité en Tunisie. C'est une sous-spécialité qu'on fait actraver de médecine interne, malgré qu'il y a un changement dans les spécialités internes. Mais surtout, là où le kharj, elle est très demandée. Donc, c'est un avantage entre les internistes qui aiment la gériatrie. Pour la spécialité, elle est très enrichissante, elle est très riche. Jamais qu'un taqlaq après 4 ans, on a des terrains de stage
برشا هذاك سي ان افونتاج و ان انكونفينيون او ميم طون خاطر بعد بالوقت نحسوا روحنا ما مشيناش للبلايص الكل الله غالب اقوى منا الديتاي هذايا و سيرتو كون اي ان بو دي شونجمون في الشوا بليزيور ريبريز حاجه خلقت شويه ساعات معناها صعب في الشوا مي غروسو مودو انا باسي بار دي تري بون ستاج و سيرتو l'encadrement il existe bien en médecine interne خاطر nos seniors ils sont proches ils peuvent nous ajouter tous les jours des détails on fait toujours de la recherche parmi les spécialités qui font trop de publications qui travaillent خاطر ça vient de la richesse معناها des patients à chaque fois حاجه جديده mais comme un détail بربي هذاك كله معناها الناس كلنا عارفوه mais surtout pour le choix de résidana quelle que soit la spécialité je vois que كل واحد يختار الحاجه اللي يحبها راه يلزم يحبها ستادير يشوف روحه بعد 4 5 10 سنين يقول انا جوزي ريستي دون سيت سبيسياليتي جو بو لو ترافاي لا ترافاي او نو اي سورتو يل فو ايمي لي باسيون كما قال دكتور بن حسين راه سي لي انترنيست لي باسيون هما لازم تشوفهم لازم تو لي زيكزامين تري بيان راه فماش سي با اون سبيسياليتي دورغان دونك فماش نكتبوا معناها حاجه فاسيلمون فو بيان اكزاميني لي باسيون ان شاء الله ان شاء الله تعمل معنا ميدسين انترن اي سورتو تجيو زادا لا تي جي خاطر هذيك سي اكسبيريونس اكسترا اوردينيغ انا بيرسونيلمون جي باسي 4 ans في لا تي جي و جو سو تري فيير دو فير سو باساج و تخلي عليا بلاصه كبيره لاسوسياسيون نتاعنا و ان شاء الله نشوفوكم ديما متالفين وربي معاكم الناس الكل تري بون سواغي ميرسي وفي ميرسي بوكو je pense que les Havaniens ils vont remarquer Haja Tetara ou Denis Bacha, on a choisi cette spécialité, on est tombé amoureux d'Ira. Et dans mon expérience personnelle, les Amal t'a fait l'internat ou Habita, on m'a dit qu'en tant que résidente Habita, c'est vraiment un petit chouf, Mlid, qu'a collé à Bacha côté de humanité fait pas chaque côté de tu سمع le mérid les plantes tu تحاول انك تحط تلمها في un syndrome qui explique un tout معناها تخمم فيها برشا تخمي c'est comme des petites énigmes tous les jours OK mais le fait on est entouré ou on a beaucoup d'activités avec la société ou avec le collège ou avec la marie ou il fallait d'y m'a stimulé donc vraiment c'est un choix de cœur ou que je recommande mais bien sûr liasman fait l'école col col un de l'âge à ou bon j'ai pas reçu ta oui kashkoun qui a levé la main mais j'ai une question par écrit donc par message Ratli, c'est une participante. Ratli, elle veut. Est-ce que vous pouvez parler des sous-spécialités s'il y en a? Je pense que j'ai enfin, il y a une mention, mais ici, c'est pas grave. Le taux de réussite à l'équivalence en France, nombre de places, la charge de travail, comment vous passez la journée, voilà. Donc Anna Shkoun Kaninajem Jeob. Donc Anna Sonia Kamoun Tab Jeob. Où je passerai ma dit à Dr Abdallah donc Atlem à Dr Abdallah donc juste Anna Sonia Kamoun elle passe elle veut bien répondre à cette question après on passera à notre présidente de collège Dr Abdallah qui peut-être a quelques remarques à cursus ou que j'ai de la suite comme si Bacha Hajid. Pardon Sonia. Concernant les sous-spécialités, on a manesh à vrai dire des sous-spécialités, on a plutôt manesh mon âme ou des compétences en gériatrie ou voilà, dans le traitement de la douleur ou voilà, autre. Par exemple, en Algérie, quand on a parlé les jeunes Algériens au congrès le Khrini, ils font la médecine interne option gastro, c'est-à-dire qu'ils font 4 années de médecine interne. Et la cinquième année, ils ont le gastro, c'est-à-dire qu'ils apprennent à faire des fibro et des colos. Et donc, il y a des systèmes interhommes. Vraisemblablement, on a des sous-spécialités. Qui m'a parlé de la présentation, il se sous-spécialise le sujet qui l'intéresse le plus. Benoît, le taux de réussite fait l'équivalence. Le fait qu'on m'a dit je peux que la kibir, ma chose à l'inarif, c'est que amener ou peut-être à ader ou une trentaine ou neuf chauffeurs en France, une médecine interne.
sachant que c'est ma médecine interne et immunologie clinique. Donc, moi, je suis une médecine interne. Ou par contre, il y a beaucoup d'internistes, il y a de la compétence gériatrie, il y a de l'équivalence à gériatrie, où il y a beaucoup plus de postes, vu que le bar a plus de gériatres que d'internistes. Pour la question suivante, à la charge de travail et nos journées, on a des journées assez remplies, donc nous avons le staff, nous avons les visites, nous avons les visites. Des mises au point, des admissions. Enfin, il y a des journées qui sont beaucoup plus remplies que d'autres. Ou enfin, il y a des journées qui sont tranquilles. La particularité, c'est que dimanche, on a des staffs de biblio, bach a des staffs d'akraya, bachlef les staffs des sortants. Donc, on a des journées assez remplies, on a toujours dans une bonne ambiance. Donc, ça va, la charge de travail est légérable. Femme à Sahat, certains services, ils confirment un sous-effectif avec la réforme. Donc, je suis à Akbal, je suis à Akbal, je suis à 11 et 12 internes et résidents en service. On est 5-6, donc je suis à Akbal, mais ça reste gérable. Donc, je pense que j'ai répondu. Je pense que je suis à Akbal. Donc, merci Sonia pour la réponse. Docteur Abdallah, ça a été. Docteur Abdallah, la chef service donc, du service de médecine interne de l'hôpital régional Yasminet Ben Alous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai eu quelques problèmes techniques. Désolée pour le retard. Je n'ai pas assisté à la présentation. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Et donc, je ne sais pas exactement les questions qui ont été posées, mais je vais essayer de résumer un peu le cursus sur le plan technique. Et puis après, je vous parlerai un peu de mon expérience personnelle. Alors, pour le cursus sur le plan technique, actuellement, le cursus, c'est 4 ans. On est en train d'essayer de faire en sorte de faire bouger les choses pour que ça passe à 5 années. Mais c'est le cas de toutes les spécialités médicales. Pour l'instant, on n'est que sur du 4 ans à cause probablement de problèmes financiers de l'État. Alors, sur le cursus de 4 ans, sur le plan purement légal jusqu'à ce jour, il y a 2 ans de médecine interne et 2 ans de stage optionnel que nous avons modifié au sein du collège avec l'accord du collège national sans encore être passé dans les textes de loi. Et on fait actuellement, on valide sur 6 semestres de médecine interne et 2 semestres de stage optionnel, avec un élargissement des choix sur les stages optionnels, avec de l'immuno, de la rhumato qui n'existait pas avant, l'aria médicale. Après, on peut faire presque tout ce qu'on veut, neuro, néphro, dermato, endocrino, infectieux. Vous m'entendez? Oui. Parce que je vois la tête perplexe. Alors, voilà. Et sinon, quoi d'autre? Pour après, alors, la médecine interne, il y a après, je vous dis, il y a après le résidana et tout commence après le résidana. Parce que, en fait, on va découvrir des... Je dirais le terme... J'ai dit belarbi, mouyoulette, on va avoir des penchants pour certaines spécialités qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on va vieillir. Alors, par exemple, moi j'ai aimé l'endocrino au début, puis après l'infectieux, puis après la pneumo, l'immunologie, l'allergologie, la gériatrie classique. Alors ça, par contre, j'aime pas. Je l'ai fait juste pour dire que je l'ai fait. Et puis tout dernièrement, comme quoi, quand on est interniste, on peut faire tout ce qu'on veut. J'ai fait de l'imagerie cardio-thoracique. Et j'ai même réussi le CEC. Donc, vous voyez, on peut faire tout ce qu'on veut avec la médecine interne. Et on n'est pas du tout limité. Et je vous jure, on n'est pas du tout complexé. Donc, j'étais avec des profs de radio. Et on pouvait se discuter de dossiers... au même pied d'égalité. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous faites médecine interne, vous avez beaucoup, beaucoup de liberté. Et vous avez surtout quelque chose que moi, je trouve très important. Vous n'ennuierez jamais.
vous ennuierez jamais. Quand vous commencez à vous ennuyer, vous pouvez faire autre chose. Donc ça, c'est le plus de la médecine interne par rapport à toutes les autres spécialités, où faire toujours la même chose tous les jours commence à être lassant quand on vieillit. Après, mon expérience personnelle, moi au début, j'ai fait de l'endocrino. J'avais choisi endocrino tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire et c'était ce qui était écrit sur le tableau devant mon nez. J'ai mis endocrino sur la feuille et puis je me suis retrouvée avec un stage optionnel de médecine interne. Et en fait, je n'aimais pas la médecine interne tout particulièrement, mais j'ai adoré les internistes. En fait, j'ai beaucoup aimé les gens avec lesquels j'ai travaillé et je ne voulais plus les quitter. Et je me suis dit, la seule façon de ne pas les quitter, c'est de faire médecine interne. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la spécialité. Et puis pendant 3 ans, bon, je trouvais que les gens de médecine interne étaient super sympas. La médecine interne, au début, ne m'intéressait pas beaucoup. J'étais pas très dans le bain de la médecine interne. Et puis, en dernière année, j'ai découvert qu'on pouvait soigner les malades. Parce que jusque-là, je trouvais qu'on faisait un peu toujours la même chose. Et j'ai découvert qu'on pouvait soigner les malades, qu'on pouvait guérir les malades, et que c'était pas seulement donner des corticoïdes et oublier de les arrêter. Et c'est là que j'ai commencé à aimer la médecine interne pour elle-même. Et donc, je vous encourage après, parce que la médecine interne, c'est aussi ce qu'on en fait nous-mêmes. C'est pas seulement de reproduire ce que font les autres. Et c'est bien de faire un peu notre propre cuisine, parce que vous allez voir que y a pas, tout n'est pas protocolaire en médecine interne. C'est pas comme de la cardio ou de l'endocrino. On peut faire un peu de sa propre façon de traiter les patients. Et ça, c'est aussi un autre plus. Après, mon expérience personnelle, quand je me suis retrouvée à Ben Arous, c'est-à-dire que j'ai eu la possibilité de faire un service, qui c'est pas toujours donné à tout le monde, et de commencer une nouvelle vie, d'avoir des nouvelles perspectives. Et puis là, j'ai découvert que la médecine interne, c'était très, très vaste, c'est qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Alors, selon ses orientations, ses choix, on peut… dans mon équipe, par exemple, il y a des universitaires, mais il y a aussi des sanitaires et des gens qui font de la médecine sanitaire, comme a dit Dr Nassim, qu'ils font très bien et qui peuvent faire des EPU comme n'importe quel universitaire. Il ne faut pas penser qu'universitaire, c'est seulement eux qui peuvent enseigner ou qui peuvent apprendre aux autres la médecine interne. Donc, c'est une perspective aussi de faire du sanitaire dans les régions aussi, parce qu'il faut savoir que la médecine interne, c'est la spécialité qui est obligatoire pour créer un hôpital régional. Donc, quand on va ouvrir un hôpital régional, il faut qu'il y ait un service de médecine interne. Ça fait partie des obligations légales dans une ouverture d'hôpital. Donc, vous voyez, quand même, on a une place qui est assez reconnue, puisque sans nous, il n'y a pas l'hôpital. Alors, sinon, pour l'étranger, je peux vous dire qu'en France, quand j'étais en France il y a 15 ans, j'ai assisté à une scène où un des professeurs de médecine interne très connu, Loïc Guilvin, il était très triste. Il disait, il y a un défaut de vocation, on n'a plus d'internistes, c'est catastrophique, on ne va plus avoir de relève. Et puis aujourd'hui, alors pourquoi il n'y a que 5 personnes qui réussissent au concours d'équivalence? Parce qu'il n'y a que 5 postes de médecine interne. Parce que maintenant, en France, la médecine interne, elle est super cotée. Et c'est beaucoup de fils de patrons, de fils de docteurs qui font médecine interne. Et c'est donc assez bien vu de faire médecine interne maintenant en France. Ce n'est pas tout à fait encore le cas en Tunisie. J'espère qu'on va faire une dizaine d'années, comme ça a été le cas pour eux. Et j'espère que dans l'avenir, on aura les meilleurs en médecine interne. Voilà, si vous avez d'autres questions, je peux répondre quand vous voulez. Aïcha, merci beaucoup, docteur Abdallah. Donc, j'ai Fatma Sraïl qui demande la parole. C'est à vous, Fatma. Allô? Donc, pour poser votre question, tu dois réactiver, Fatma, le micro. Ouais, on ne peut pas le faire. Voilà. Salut, Aslima, Fatma. Donc, je suis… je viens de réussir le concours de Rizidana, donc je suis en pleine réflexion pour le choix de ma spécialité future, Inch'Allah. Et… Merci beaucoup, Aïcha. Merci pour la présentation. Merci pour les seniors, pour les résidents, pour tout l'effort que vous êtes en train de faire.
Et la médecine interne, c'est une spécialité qui, à laquelle je ne pensais pas forcément quand j'ai fait médecine, et même au cours de mes années d'externat et tout. Mais dernièrement, j'ai fait un stage volontaire en médecine interne et ça m'a vachement intriguée, en fait. Mais toujours, ma peur par rapport à la médecine interne, c'est tellement vaste et justement, c'est tellement polyvalent. Est-ce qu'on ne se perd pas parfois? Est-ce qu'on voit tellement de choses qu'on finit par ne pas se... Enfin, j'ai toujours peur que c'est tellement polyvalent que c'est pas vraiment une spécialité. Tu as peur de te disperser, on va dire, voilà, tellement l'image, tu trouves l'image grande. Oui, justement. D'accord. Donc, Maxine, elle veut répondre à la question. Donc, docteur Benassine. Oui, oui. C'est de la télépathie. Que direz-vous donc de la question par justement, Fatma. J'avais envie de répondre à Fatma. C'est à Marhabibik, Fatma et Mabrouk. Ce que tu dis, c'est vraiment c'est tout à fait physiologique. Et non, en tout cas, c'était angoissant pour moi les premières années et durant mon résidana d'ailleurs. Et je me souviens par exemple. Ce sentiment de se perdre, de se dire on peut pas tout connaître, et puis aussi parce que on a finalement il y a beaucoup d'ambivalence de la part des autres, les autres spécialistes. D'un côté ils nous disent mais qu'est-ce que vous faites, et de l'autre dès que ça ne va pas, voilà, dès qu'il y a un problème vraiment très complexe, on nous l'envoie en nous disant tout ma internisme, tout ma tafou kolchay. Eh bien, je te rassure, Khatel Tawa, j'ai quand même beaucoup de recul. Ce qui se passe, c'est que avec le temps, d'abord, clairement, on apprend beaucoup de choses. Réellement, on est, je pense, Maya, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on devient très cultivé, l'hakika, au plan médical. Et puis surtout, je pense qu'avec le temps, on connaît nos limites, en fait. Ça veut dire qu'il y a forcément des choses que je connais très bien et des choses que je connais moins bien. Et avec, si on a de l'assurance, si on est sûr de nous-mêmes, si on maîtrise nos basiques, ben le reste, c'est pas très grave. Si on sait pas, on apprend. Maya a dit, et c'est vrai, que vraiment, sans aucun complexe, on peut se permettre, Ahna, de ne pas être complexé, et de se dire, non, ben, je connais pas. De toute façon, 99% des gens ne connaissent pas, alors finalement. Mais je vais aller voir pourquoi. Je n'y ai la hakaya. Mais je pense que ça ne devrait vraiment pas constituer un problème. Hein. Mais c'est ce sentiment de se dire, mais c'est tellement polyvalent, est-ce qu'on va tout connaître? Je pense qu'on va connaître pas mal de choses, on ne va pas tout maîtriser. Et je pense que, in fine, on n'a pas exactement le même degré de connaissance concernant tous les sujets. On va avoir des trous quelque part. Ça va dépendre de notre vécu, finalement, voilà, de notre exposition. Et l'exposition, parfois, elle est très aléatoire. Mais ça ne pose pas de problème. Tu vas voir que... Et puis, je pense que moi, j'ai fait mon cursus il y a quand même beaucoup d'années. Et à l'époque, nous, on n'avait même pas de programme. Donc, on pouvait avoir à l'examen de spécialité une question type myélome multiple, matalane ou à la gammapathie. Liouma, il n'y a pas vraiment de risque par rapport à ça. À la khater, c'est très policé. Il me semble qu'il y a un programme. Il y a un programme déjà pour le collège. Donc, c'est quand même... voilà, c'est limité. Donc, il ne faut pas que ça t'inquiète. Ce genre de détails ne devrait pas t'inquiéter. Ce n'est pas vrai qu'ils savent tout. Les internistes savent beaucoup de choses, mais certainement pas tout, à mon avis. Hein. Il faut rester humble quand même. Bon. Je ne sais pas si je te rassure, Fatma. Merci, docteur Benassine. C'est vrai qu'avec votre expérience ou le col, vraiment, on peut petit à petit regrouper les choses en petits groupes. Ouais. Moi, je m'arrête tout près dans la globalité, mais je me trotte à col. Un seul saut, sinon non, ça marche pas. Non, tu regroupes ou tu trouves qu'en si c'est dans ton domaine où elle est. On a aussi un point de vue de résidente, Kamla Tawika Wafeshkou, qui a une réponse à Fatma. Wafé, Smartia. Oui, oui, Fatma, Salam Abrouk. باهي حبيت نطمنك خاطر هو سي ان سنتيمون كيما قال دكتور بن حسين سي ان سنتيمون فيزيولوجيك انا زيد توا اسو ستاد دونك قولوا زعما اوني
On est compétent, on a un gauche, mais comme il y a des priorités en médecine interne, tu dois gérer. Manqulush, quand les maladies systémiques, mais comment y a-t-il dit mais la priorité est les connaissances en santé, qui au fil du temps, tu vas croiser des patients qui ont des pathologies systémiques, donc à force de les voir, de s'apprendre, et surtout les seniors en aoud, il y a des détails, comment dit on y a un nous, même si un cas difficile, mais on n'a pas de problème, on n'a pas de complexe, et nous prenons le alice des puis manqulu, elle n'a pas ou elle n'a pas de c'est toujours enrichissant pour nous. Ou même on a eu des cas particuliers où il y a une particularité les nappes bas chargées mais ce qui est sûr que le résident doit travailler doit faire sa propre formation car charge de travail qu'il a femme a des jours manière on travaille trop car femme a des consultations femme a des admissions qui sont un peu lourdes on fait des discussions bar donc au fil du temps là automatiquement ان شاء الله باش تتعلم برشا وبالوقت يمشي تكبر الاكسبيريونس وفما دي فما ان افونتاج شي لي انترنيست كون معناها بارتاج دي ديتاي مع بليزيور سبيسياليتي دونك نجمو نسمع وحدنا لي كونيسونس نتاعنا او فيل دو طون وبالوقت تولي انت مثلا عندك دي كومبيتونس بارتيكولير فما عباد في المالادي فينوس ترومبوليك فما عباد عندهم في اونيكولوجي فما عباد اون اندوكرينو دونك سي طون ترافاي بيرسونيل À côté des maladies systémiques et des maladies générales, ça va de soi, donc on a fait un chèque, mais t'en fais pas, trop d'attrape et tu seras une meilleure résident. Inch'Allah, tu connais mal, Inch'Allah, pour. Bonjour, bientôt. Oui, elle. Ah, bonjour. C'est Dr. Chif. Ah, c'est vrai, Dr. Chif. C'est vrai, Dr. Chif. Je ne sais pas si je peux intervenir parce que j'ai un micro. Bien sûr, merci. Votre micro t'hal par erreur. Donc, de Kalish, puis Belish, que vous voulez intervenir. Je donc, ne peux pas rater cette très belle soirée. Aïcha. D'être parmi merci. Vous. Vraiment bravo pour cette excellente initiative. Que de mieux, Marnéa, que de vanter notre belle spécialité et d'en parler à ceux qui sont intéressés. Donc, Aslem Anesselkol, vraiment Mabrouk, le Nechhin, ou Mabrouk encore plus à ceux qui s'intéressent à notre spécialité. Je vois l'amour qui se dégage, je vois les yeux qui brillent par cette passion qu'est la médecine interne. Et du coup, je vois vos voix qui vibrent, Marnéa, parce que vous voulez transmettre à des gens qui sont intéressés. Donc personnellement aussi, j'aimerais participer à ça et dire, peut-être je ne vais pas être brève, mais avec le recul, Tawa, si c'était à refaire, oui, je dirais, je ne referais que la médecine interne, parce que vraiment, c'est la spécialité qui permet réellement d'être le médecin et le médecin qui permet de répondre aux besoins du malade dans la dimension d'aider, voilà, d'améliorer, voilà, de soulager et d'être au service pour le bien-être physique, mental et social. Et à chaque fois, je replonge dans la définition de la santé, dans ce que c'est en fin de compte notre rôle de médecin, et je me dis que oui, je crois qu'aujourd'hui, on fait une bonne chose, que la médecine interne nous permet effectivement de réaliser ça. Si on a choisi la médecine, c'est pour ça, hein, c'est pour soulager les malades. Et aujourd'hui, c'est une spécialité qui, parce qu'elle est globale, nous a appris vraiment de « Heba houa ma'niha », on est là pour tout, pour le malade dans toutes ses dimensions. Et de par ce volet un tout petit peu compliqué de la médecine interne, où il y a les maladies systémiques, il y a l'atteinte multiviscérale, sarat, il y a l'atteinte psychologique, psychiatrique, il y a le côté... social aussi, qu'on doit prendre en charge. Donc vraiment, pour ceux qui aiment ça, je dirais, c'est la spécialité qu'il faut. Il n'y a pas une autre manière. Oui. Vraiment, c'est la spécialité où on est le plus clinicien. Et puis, c'est une spécialité qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Manéa. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est différent des spécialités chirurgicales où on est, certes, je les respecte énormément, on ne peut pas s'en passer d'eux, mais la médecine interne vous permet de ne pas pouvoir vous arrêter. On se sent trop mal quand il y a un phénomène qui nous dépasse, Manéha, voilà.
Voilà, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, oui, Mania, je... Oui, toi, les marages, c'est une spécialité qui jamais vous ne tolérez, Eliane, si vous ne savez pas ou vous n'expliquez pas quelque chose. Ouais. Pour ceux qui ont ce tempérament, oui. Vas-y. Effectivement. Oui, je vais prendre en charge que ne pas comprendre, Maniha. Et c'est pour ça, Ali Ahna Birki Walina, plus on en sait, plus Koulé Belekshi Manarafshe. Et même quand on est vieux, tu as libéré dit Takra, Maniha. Le côté savoir ne s'arrête jamais, quoi. Vous avez toujours besoin de savoir et de savoir encore plus. Donc, c'est trop mental, la médecine interne. C'est différent de la spécialité chirurgicale, qui est plutôt très manuelle. Je dirais que la médecine interne est une spécialité mentale, cognitive, de raisonnement. Il faut aimer ça, hein. Il faut vraiment aimer ça, Maniha, pour être passionné par cette spécialité. Et puis, quand Maniha, ce qui est peut-être, c'est une spécialité qui ne s'arrête pas à une maladie. Il ne faut pas croire que là où la médecine interne, vous n'allez travailler qu'avec les maladies systémiques, avec les connectivités. C'est beaucoup plus large que ça et c'est beaucoup d'ailleurs plus beau que ça. La médecine interne, elle bâtit réellement. Elle, tout ce qui est un tout petit peu difficile, quand d'autres n'arrivent pas à résoudre, on intervient, hein, c'est pas de la mégalomanie, mais parce que vraiment c'est ça. On essaye d'être autonome au maximum. Maniha. On peut pas être un interniste et prendre des avis tous les jours partout. Maniha. Il faut avoir une certaine autonomie des autres spécialités. Hein. Il faut avoir des connaissances en néphrologie, en cardiologie, en neurologie. Maniha. Sinon, on n'est pas interniste. Hein. Non, au contraire. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de certains stages optionnels pour ceux qui ont des lacunes. Et puis voilà, et on démarre et on s'autonomise et jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est ma petite appréciation par rapport à ce que je suis en train de faire. Peut-être que ça peut aider à ceux qui sont hésitants, mais je leur dis foncez, et on sera ensemble, quoi. Voilà, pour tous ceux qui ont la curiosité scientifique, vous pouvez rejoindre notre spécialité, la spécialité médicale par excellence. Je vois que cette conversation a été très stimulante. Andy Barcha, je crois qu'il veut intervenir. Je vais commencer donc par ordre, par lever la main. Docteur Benhassin, c'est à vous. Juste très rapidement, Wefé avait souligné, elle avait dit qu'on collaborait avec les autres spécialités. Je pense que le contact de la médecine interne avec les autres spécialités, c'est quelque chose de très important et de très particulier à notre spécialité. Je me souviens que lorsque j'étais résidente, sur la préface du livre des maladies systémiques, à l'époque on l'appelait le CAN et pas le Guillemin, il y avait toujours la phrase « la médecine interne est au carrefour des spécialités ». Et vraiment, la médecine interne est au carrefour des spécialités. Et tout à l'heure, Lim avait dit « la dépendance des autres spécialités ». Voilà, et c'est beaucoup plus la collaboration avec les autres spécialités. Si nous dépendons d'un plateau technique, mais vraiment, de plus en plus, je me dis, on est beaucoup plus dans la collaboration que dans la dépendance, en fait. Parce qu'à ce moment-là, la dépendance, elle est réciproque. Hein. Ils dépendent aussi beaucoup de nous, finalement. Donc, nous aussi, on donne beaucoup d'avis. Je pense que c'est beaucoup plus une collaboration. Le contact avec les autres spécialités est quelque chose de très, très important et d'extrêmement enrichissant. C'est aussi, au fond, je pense que dans le profil des internistes, ils doivent être curieux, mais ils doivent aussi être très sociables, en fait. Il faut absolument qu'il y ait ce sens de la collaboration, parce que tout seul, on n'évolue pas beaucoup. Hein. Ça aussi, c'est très particulier. Donc, si vous entrez dans la médecine interne, ça ne va pas être... D'ailleurs, on n'a pas arrêté de dire, c'est une bonne... À la limite, pour vous rassurer, c'est même une bonne porte de sortie, à la limite. C'est vrai, écoute, Manetta, c'est vraiment... La spécialité, tu te dis, si tu veux partir à l'étranger, mais alors si tu veux vraiment être polyvalent plus tard, c'est vraiment la médecine interne. Je ne vois pas une autre spécialité qui te prédisposerait ou qui te donnerait plus de bagages
de façon polyvalente, ou avec Alé. D'ailleurs, la conception de la médecine interne dans les pays anglo-saxons, chinois, c'est vraiment ça, c'est un tremplin en fait pour aller ailleurs. Donc au contraire, il y a des gens, Sarah, je suis très étonnée, c'est pas un étau qui se referme de faire de la médecine interne, au contraire. Vraiment au contraire, c'est tellement extensif que tu restes en contact avec plein d'autres spécialités. Bon, peut-être à part la chirurgie, hein, mais sinon, vraiment, on est vraiment au carrefour des spécialités. Et beaucoup de gens l'ont dit, on ne s'ennuie pas. Mais alors, si vous n'aimez pas la monotonie, là encore, il faut faire de la médecine interne. Après, si vous aimez le train-train quotidien et les réflexes, etc. Ça, c'est clair, c'est pas vraiment la spécialité qu'il faut. Parce que tous les jours, quelqu'un, oui, je crois, avait dit, on est curieux. On est tous curieux de se dire, mais qu'est-ce que ça va être, au fond. Donc vraiment, je voulais dire que c'est très vivant dans la médecine interne, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Merci, docteur Benahsin. Je ne pouvais être plus d'accord. Donc, Taïsi, également, je pense qu'elle voudrait rajouter quelque chose, Taïsi. Oui. C'est à toi. Oui, c'est Fayan. Mm-hmm. Oui. En plus, je veux ajouter une petite. Je vois que. ان شاء الله اللي يمشيو من سناتير ننصحهم بالحق يجب تروبيتي دو ستاج heureusement donc on a نجم نقول في plusieurs services et بالنسبه ليا quel que soit le stage donc il faut بالحق profiter le maximum de stage que tu nous chiffres parce que chaque patient c'est une pathologie et chaque patient c'est une occasion que je n'ai pas acte donc les pathologies et il faut profiter des terrains et la pratique c'est tout pour moi donc c'est à partir donc il faut pas lire et oublier les terrains parce que c'est au lit de malade qu'on va apprendre et il faut profiter le maximum des stages Merci Taïsi. J'ai une question. Je pense que Hussein il voudrait poser une question. Je voulais tout d'abord remercier nos seigneurs pour être présents là, pour répondre à nos questions. Je voulais vous remercier toutes et tous aussi pour avoir organisé cette rencontre. Au fait, je présente Hussein Abida, interne actuellement. Je viens de réussir le concours. Ma question est par rapport au volet de recherche de la spécialité. Est-ce qu'il y a vraiment de la recherche en Tunisie? Est-ce qu'il y a de l'infrastructure pour faire de la recherche médicale dans la médecine interne en Tunisie? Et est-ce qu'en tant que futur interniste, est-ce qu'on a accès à des masters et tout ça pour faire de la recherche ailleurs? Et non seulement de la recherche clinique, mais surtout biologique. Est-ce qu'on peut faire participer à des projets de recherche, les labos et tout ça, par rapport aux maladies immunologiques et tout ça ou pas? Merci. Merci Hussein. Je pense que pour Hussein Abid, j'ai la main de Ali Abid qui veut répondre. Même si je vois que plus. Maintenant, on est intrigués. Ça devient intrafamilial. Oui, c'est un cousin en fait, mais de second degré. Donc, on s'est rencontrés à la fac. Hussein, salut Hussein. Mabrouk encore une fois. Mais en fait, pour la recherche, ma femme a les laboratoires de recherche au sein de la fac. Il y a des laboratoires de recherche immuno, de génétique, je pense que l'INSIFIBEC, on t'a répondu déjà. Et on peut travailler avec eux sur des projets. Il y a des projets de recherche, je pense que les dernières années, donc ce choix, mais s'il y a la volonté, il y a une équipe et il y a avec la fac, on peut faire des choses. Et pour la recherche ailleurs, oui, tu peux faire de la recherche ailleurs. Ça dépend. Les masters de recherche, moi, je dis. Pour les résidents, en fait, pour les CEC de recherche, mais en fait, qui était le choix, toi, il est bloqué. J'ai déjà envoyé des demandes pour des masters de recherche FITUNS, mais pour les assistants, FEMAFAUC.
Donc, mais pour les masters de recherche ailleurs, j'ai vérifié, j'ai cherché, j'ai trouvé. Mais justement, c'est des masters de 1 an, voilà, de 2 ans au Cochay, où tu dois être, tu dois te déplacer au Cochay. Mais je n'ai pas insisté, mais je pense que si tu cherches, tu peux en trouver. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont plus d'informations. Oui, je peux, Lim Abita, oui. Je peux, oui, docteur Chilif, très bien. Alors voilà, j'aimerais bien répondre à Roussel par rapport à cette question. Alors, comme vous savez, quand on est dans un service, il y a la possibilité de faire un projet de recherche. Donc, ce projet de recherche peut se faire via le ministère. Donc, chaque année, le ministère nous envoie si on veut participer à un projet. Ce projet se fait à l'échelle du service avec des malades et avec la participation d'autres équipes. En tant qu'interniste, je peux créer un projet sur une étude particulière en incluant des collègues du service d'immunologie ou du service d'hématologie, et on soumet donc ce projet de recherche à notre ministère qui, bien sûr, s'il accepte, va donner l'autorisation, va débloquer un fonds d'argent. Et comme ça, vous allez faire effectivement votre étude, et qui peut d'ailleurs faire battre ensuite le aboutir à un travail de thèse, qui peut aboutir à des publications. Et donc, c'est extraordinaire. Bien sûr, il faut que le projet soit éthiquement accepté. Et des cas, c'est une obligation. Et voilà, mais bien sûr qu'il y a de la recherche. Et d'ailleurs, même il y a des petits projets qui peuvent se faire sans passer par le ministère. Ça rate les hôpitaux faire un petit fond pour des projets de recherche. Donc voilà, ça c'est par rapport à la recherche. Donc, et comment en médecine interne, c'est permanent, ma mère. Oui, c'est assez fréquent, et on peut même être inclus, puisqu'on est une spécialité polyvalente, être inclus dans des études d'autres services, soit hématos, voilà, souvent c'est en équipe multidisciplinaire. Si c'est un projet qui est au départ élaboré par des biologistes, ils ont besoin de cliniciens, donc ils ont besoin, oui. Si le sujet nécessite des internistes, ils vont nous solliciter. Donc c'est comme ça qu'on fait généralement de la recherche. Et je crois que de rien avant, de toute façon, maintenant, avec l'évolution du côté technologique, avec les DMI qui sont dans tous les hôpitaux, il y a une explosion le côté technologique. Je crois que la recherche va aller de pair. Maintenant les malades sont codés, maintenant. Donc il y a une dynamique qui est en train de s'installer, il y a une vitesse qui est en train d'augmenter. Donc je crois que votre génération va faire beaucoup plus peut-être de recherche que nous. Grâce à les études, je suis sûre que ça va bouger énormément. Oui. Inch'Allah, elle est belle la technologie. J'avais une question à Fatma, je vais. Naash, elle a levé la main, on va dire qu'elle a hâte. Donc, en attendant, je vais passer à Dr Abdallah qui a demandé la main. Oui, en fait, pour la recherche, je vais juste rajouter un petit mot. On a même été sollicité par le Fac de Sciences. Donc, oui, la recherche, si on veut, c'est très facile. En fait, il faut vouloir, il faut aussi bosser, parce que la recherche, c'est pas seulement dire « je vais faire un petit truc », c'est des années de travail. Hein. Donc, la recherche avec le grand R, c'est très très long et beaucoup d'investissements. Donc, Fac de sciences, ils sont ouverts surtout pour l'immunologie, donc pour la médecine interne, et puis aussi en génétique. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est possible aussi. Alors, je voulais juste faire un petit clin d'œil sur notre spécialité, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. En fait, comme une caricature, si vous voulez, il y a des spécialités pour s'identifier à ce qui est policier. Hein. Je vais prendre un autre domaine. Des spécialités où on est le policier qui va attraper le voleur, qui va tirer sur les assassins, qui va être avec la grosse voiture et tout, qui court dans tous les sens. C'est très visuel, c'est très beau. Et puis, il y a des autres policiers qui, eux, font des enquêtes,
qui sont peut-être plus discrets au début quand on les regarde. Je dirais les plantes de Hercule Poirot ou de Colombo. Et donc ceux-là, comme peut-être au début, ils sont pas très in, ça fait pas chic et tout. Mais en fait, c'est eux qui résolvent les enquêtes. Alors voilà, ce serait peut-être ça l'interniste par rapport à d'autres spécialités. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. يعيشك دكتور جار عبد الله. Donc Tawi Kajin, pour l'instant j'ai pas d'autres questions. Même si Dr Lousine n'a pas levé la main, je vois qu'il est intrigué par cette question concernant la recherche au visuel déjà. Donc les participants qui ont baissé la main, peut-être qu'on a répondu implicitement fait juste la conversation à leurs questions. Bon, j'allais dire que ma question c'était par rapport à la recherche aussi, donc justement. Voilà. Si je peux encore répondre, Rim, par rapport à la recherche. La recherche, est-ce que vous m'écoutez? Ça va. C'est bon. Au fait, Rahou, la recherche n'est pas seulement les amener à un laboratoire ou qu'elle amener à un côté cytoclinique. La recherche, là aussi, tout ce qui permet de faire évoluer par rapport aux malades. Quand on voit à Ottawa, par exemple, si je prends moi qui est aussi gériatre et que je vois les domaines de la recherche en milieu de gériatrie, et on peut être autonome, ça peut être purement de la recherche clinique. Quand je vois ce qui est fait dans la littérature, dans le domaine toujours de la recherche, maintenant, rien que pour la fragilité des sujets âgés, et surtout les scores et tout, comment est-ce que, avec une échelle très courte, très facile à faire, comment est-ce qu'on peut détecter, consultation, si on a affaire à une personne âgée ou pas. Et donc ça, c'est de la recherche aussi. Le concept, là, il est très vaste, au même titre que notre spécialité. Ça peut être très, très pointu, ça peut être très biologique, très immunologique, mais aussi ça peut être de la recherche purement clinique, purement médicale. Donc voilà. Et après, le domaine qui m'a dit d'expertise ou de super spécialité, on est interniste, mais en fin de compte, chacun de nous aura son petit amour caché, oui. N'est-ce pas? Et donc après, chacun de nous verra la recherche qu'il a besoin de faire. Mais je crois qu'on le fait, mais je crois qu'avec Tawal, cet esprit, on va se lancer, n'est-ce pas, les filles et les garçons, vraiment, on va y aller de plus en plus. C'est Lim, Oui, on recherche. Oui. Ouais. Donc voilà, chacun fait j'ai bien mal recherche, voilà, la porte est ouverte. Hussein, voilà Fatma. Yaïchek, docteur Shiv, donc... Tu as une remarque, Liv? Pour la recherche, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait la médecine interne. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et la recherche clinique, évidemment, on fait de la recherche clinique tous les jours, même auprès de nos patients au col et dans nos consultations. On voit des choses, on va dire qu'à un moment, des séries ou quoi, avec le DMI ou quoi, ça va s'améliorer de plus en plus, avec les séries ou quoi. Et pour le laboratoire de recherche, justement, Hussein Nafou, il est dans un network de recherche, il est très intéressé par la recherche biologique. Et entre autres, Nafou, il est en médecine interne, la quatrième année, juste pour la recherche. Et donc, je l'encourage vraiment pour ça. Sinon, les phagètes littérales, en fait, personnellement,
si j'ai à partager mon expérience personnelle, il est toute petite, je suis résidente encore en quatrième année, et j'ai fait la spécialité par choix. J'avais tous les choix possibles et j'ai choisi la médecine interne par amour, par passion, et je ne le regrette pas du tout. La spécialité mentale, je l'ai faite à l'externat, ou bien à l'internat, je sais que c'est différent de l'externat. À l'internat, je l'ai fait à l'externat. Entre autres, il y a l'humilité scientifique qui m'a connaît. Si on ne connaît pas la chose, même si tu ne connais pas, ou la chose, dit le résident ou le senior, et on discute, ou si tu as une proposition, voilà, un diagnostic, voilà, et n'importe quoi, on ne te prend pas pour un con, ici, on accepte. Donc, c'était un environnement, il fait l'internat, et j'ai trouvé cet environnement vraiment super. L'internat. Donc, pour comparer, je me dis, c'est le stage, en fait, c'est pas la médecine, les rêves, l'hôpital, tout le en fait, c'était le stage et les rêves. J'ai un point de référence, c'est les on peut faire de la bonne médecine, moi, les fitouns. Donc voilà, il y a un monde qui est vaste, on peut faire ce qu'on veut, on a plusieurs options, et voilà. Merci Lim pour ce partage de ton expérience personnelle. Je ne vois pas d'autres questions qui s'affichent sur l'écran Thierry. J'espère qu'on a été hâte d'une petite aide les participants d'Imran. Je remercie tout le monde de l'Ikhde Women Waqtom je sens beaucoup de passion et tout le partage les savent que ce soit l'un de nos seniors ou l'un de mes collègues. Merci d'être là. J'espère que on vous a aidé pour trouver ce que vous aimez. J'espère que vous voir parmi nous. Subjectif malheureusement. Faites ce que vous aimez. Mais la médecine interne est bien aussi. C'est bien. Oui, Paul. Docteur Boukhlis, oui. Oui, docteur Boukhlis. Je vous félicite pour ces belles interventions. Je n'ai pas pu m'empêcher. De leur dire, si vous voulez être un bon médecin, il faut choisir la médecine interne. Vous allez voir dans votre parcours de vie, c'est un choix de vie, comme vient de le dire Lee, mais comme ça a été dit, ça dépend du choix. Est-ce qu'on veut être uniquement un spécialiste d'organes? Et puis, à chaque fois qu'on est sollicité, on va dire « je ne sais pas, je vais demander, ce n'est pas ma spécialité, je ne m'y connais pas », ainsi de suite. C'est un choix de vie. Mais si on veut être un bon médecin, un médecin d'un patient, d'une personne, pas d'un organe, il faut choisir la médecine interne. Pour les jeunes recrues, vous allez voir dans votre parcours de vie de médecin, vous serez sollicité par le voisin, la voisine, les amis, les collègues, le mari, la belle famille, Ahmed Kahmouk. Si vous voulez passer pour un très bon médecin et répondre à toutes les questions, il faut choisir la médecine interne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, docteur Boukhlis. Donc, voilà. Je pense que Bachamen ne peuvent s'empêcher de voir tous les bons côtés de cette spécialité, de vous les communiquer. Sonia Kamoun rendra une intervention à toi. جست حابه نقول كنا نعملوها كل جمعه الحكايه هذه صحيح ونقعد نحكي على المدينه تاعنا احنا لي سي با معناها فور سفير دو ليلوج لحال اما بالحق كما قالت دكتور بخيش كي يجي يسالك عبد من الفامي على حاجه تلقى روحك
tu raisonnes et au moins, hatta, si ça ce n'est pas dans le domaine de compétences, tu regroupes ça dans un nombre de possibilités moyennes, tu l'orientes vers quelque chose, tu lui évites tu évites à ton patient ou à ton proche. Ça rate les patients comme nos proches. Tu leur évites ils traînent. Il y a la jouer quelque part, à la clé quelque part. Alors que finalement, fallait voir, avoir une vue d'ensemble et voir que le tout était. Faisait partie d'un seul grand syndrome, d'un tableau moyen, et il suffit de le voir pour le. Oui, je suis en train de dire traîne entre plusieurs prises en charge. La gériatrie, Zeda, comment on apprend une personne âgée, mais je suis en train de une ordonnance aussi bien que. Oui, que. Vraiment, c'est tellement, il y a beaucoup de d'aspects et de leçons que la médecine interne t'apprend que ahna ancienne génération amine internat, donc ça met au dur le choix. Il y a quand même les spécialités, les machouf, je suis polyvalente, rêvé à faire une autre spécialité. Oui, voilà. Ne me provoque pas pour la gériatrie, sinon je me scotch mal. Khalini tawassim. Ana une amoureuse. Il habna, il habna comme ça ou نص ولا ساعتين اخرين. Donc voilà. Les canards à faire séance autre pour ceux qui je mange. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions Ana je oui, docteur Louzir. Il faut activer le micro juste en bas, là. Ouais. Bien, tout d'abord, à vous remercier pour cette initiative. Très belle initiative. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Oui, là, c'est bon. Oui, docteur Louzir. Très, très belle initiative. Et je vois des jeunes très dynamiques. Barakallahu fikou. Haja bihi. Ils aiment la médecine interne. وقت واحد يبدا ماشي للسبيطا ويبدا عينه باش يخدم وعينه باش يشوف المرضى وعينه باش يلغيزو لي بروبليم دي باسيون سي سا معناتها نبداو شيخين احنا فهمتني اي بي يقولوا لوي كي بو لو بلوس بو لو موان ولا توندونس توا في تونس العوام الاخرى معناتها فما لا سبيسياليتي دورغانيزم اللي هي سيت بوليفالونس اللي ابخي تو وقت اللي تبنى عندنا لا بوليفالونس اوني تري اليز دوفون لو باسيون puisque on a cette vision globale. Ou femme à la spécialité d'organes, ou maintenant les spécialités médicales, le cursus c'était le résidanat, c'était l'internat c'était 2 ans. On va notre le résidanat, d'accord, allez. Ou l'internat c'est 1 année. Ou fois que l'âme nos jeunes internes, nous le faisons 3 mois. Il n'a fait 3 mois à faire le cardio, je vais le cardio, il a dit 4 5 cardio, puis je suis un excellent spécialiste du cœur. Alors que la vision globale, elle est très importante. Pour la recherche, les missions internes, les moins jeunes, disons, ils ont besoin d'en initier les jeunes comment faire ou voilà, diriger une unité de recherche. Il faut même une technique à ça. Et on ne fait pas la recherche pour la recherche. Il faut faire la recherche pour l'application. Le tout pour le besoin du patient, voilà, de la société, etc. Et honnêtement, Et on fait des diagnostics lorsqu'on assiste à des congrès, ou à l'anesmeur, comme tout, à vous présenter des observations, ou à la haja, qui te donne cette vision globale, t'as juste fou mieux le patient. Donc, on a une charge à la bête, les maladies appartiennent au patient. Une polyarthrite rhumatoïde, elle appartient au patient. C'est le patient qui a la polyarthrite rhumatoïde, et le médecin, il est là pour gérer, et c'est au patient de choisir son médecin. Et il y a des patients qui disent qu'il y a une maladie, ou une maladie, ou une maladie, ou une maladie.
lorsqu'on prend en charge en globalité le patient, c'est plus facile. Mais ça n'empêche qu'on doit collaborer. On collabore très bien entre les spécialités, oui. Sans corporatisme. Les internistes, j'ai constaté, au niveau webinaire, on a fait l'ère Covid. Mais on n'a pas fait le tapage médiatique, il y a d'autres spécialités. Mais c'est bien. Le plus important, c'est de bien prendre en charge nos patients. Et c'est bien. On va aller dans ma room, le médecine interne, comme c'est un domaine très vaste. On va trouver un interniste qui a le métabolisme, un interniste qui a le cadet. Pour la recherche, c'est bien de choisir un ou deux axes. Bon, on commence à faire un peu de recherche, on a même temps à proposer un essai, etc. C'est bien, pour recherche, de ne pas trop se disperser. Mais pour la spécialité, il faut avoir la vision globale. On va, en fonction de ton affaire, par exemple, il y a un chauffeur académique, dans une structure, il faut mettre certaines spécialités, il est obligé de faire... Bon. Et là, on a un peu perdu le service. Pour l'évalant, allô? On se sent plus à l'aise. Allô, vous m'entendez? Docteur Lozier. Donc, merci beaucoup, docteur Lozier. Docteur Bousselet, je pense, il veut intervenir. Docteur Kamel Bousselet, ma chef service du service de médecine interne à l'hôpital Mounjislim, la Marsa. Aslem. Bonsoir tout le monde. Atikoum Saha, félicitations pour cette excellente initiative. Vous m'entendez? Oui. De toute façon, tout a été dit. Je vais être bref, contrairement à mes habitudes. En tout cas, je suis ravi de constater que la relève est assurée. C'est clair. Et puis, je tiens vraiment à témoigner à toute ma fierté de voir d'abord le produit fini. Quand on voit les internistes accomplis, et je ne peux pas en citer, c'est sans exception, on n'a que des brillants internistes. Et quand on voit des résidents, là, et contrairement à... Il est rare dans les résidents qui passent dans le service, ils sont excellents sans exception. Je ne sais pas, est-ce que on ne choisit pas cette spécialité par hasard? Est-ce qu'il y a un casting naturel qui se fait? Toujours est-il que je ne peux que témoigner de ma fierté, toute génération confondue. Merci. Et puis, vie également, on a des terrains de stage qui sont complémentaires, avec certaines spécificités, mais pratiquement tous les services, on y apprend. Et puis, on n'a pas de service où vraiment il y a des gens caractériels. Ce sont des services d'accueil, il est vraiment complémentaire et qui permettent quand même d'avoir une formation et avec une bonne assise. Je ne vais pas revenir sur la richesse de la spécialité, puisque juste faire part un petit peu de mon vécu et surtout insister sur la polyvalence et la capacité d'adaptation d'internistes. À la khatr, quand la gériatrie n'était qu'un projet, c'est les internistes qui ont pratiquement géré et coiffé cette spécialité partout dans le monde. Quand il y a eu le sida, j'étais plein dedans, c'est les internistes qui pratiquement les services de médecine interne se sont convertis. Mais j'ai le souvenir de où j'étais, j'avais 15 lits, 15 sida. Avec le Covid, évidemment, en dehors, évidemment, des patients qui relèvent de l'AREA, quand on voit ce qui se passe un peu partout, c'est les internistes qui sont pratiquement en première. Donc, c'est une spécialité indéniablement riche. Quand on voit la médecine de première ligne et un petit peu la formation, notamment des médecins de première ligne, des généralistes, des médecins de famille, c'est les internistes qui sont... Donc, il est indéniable que c'est une spécialité passionnante. Et puis, honnêtement, je ne peux que encourager à la rattraper. En plus,
Et quand j'ai le souvenir, à un certain moment, j'ai commencé à faire de l'infectieux. Ensuite, ça m'a passionné. Et puis, j'ai fait une année de cardio. Je me dis, je vais faire la cardio. Donc, quand on aime ce qu'on fait, on aime trop de spécialités, il n'y a que la médecine interne qui peut pratiquement embrasser toutes ces spécialités. Donc, je ne fais pas de la promotion parce que, honnêtement, elle n'a vraiment pas besoin d'être défendue. Là, c'est une spécialité qui se défend toute seule, ça c'est indéniable. Mais donc, j'ai assisté à toute la soirée qui était très très riche. Je tiens vraiment à vous remercier. Inch'Allah, on en fait d'autres. Et notamment pour la gériatrie. Et je rejoins, il faut quand même qu'on puisse un petit peu organiser une séance. Évidemment, le besoin est là. Et il faut vraiment s'y mettre. Voilà, et à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci aux participants pour leur intérêt. Merci à toute cette grande famille, les chefs services, Dr Louzid, Dr Bousselem, Dr Abdallah, tous les seniors, tous nos profs, tous mes collègues, que ce soit Fitoun, soit El Albada. Merci à vous tous. C'était une belle soirée et j'espère qu'on sera toujours réunis dans cette belle spécialité qu'est la médecine interne. Inch'Allah. Merci. On sera toujours, on est là, Manta. S'ils ont d'autres questions, à la Hajj, merci beaucoup. Bien sûr. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Vive la médecine. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Et comme à vous. Et comme à vous. Et comme à vous. Et comme à vous. Et on s'embrasse de loin là. La distanciation sociale. Et comme à vous. On s'embrasse de loin. Merci. Alors, il y a comme un bloc. Bye bye. Bye bye.